Alléluia, gloire à Jésus, bienvenue sur Merveille sans nombre, mon heure a sonné. Mon heure a sonné. Mon heure a sonné. Et notre heure a sonné. Chaque fois que nous disons mon heure a sonné, eh bien nous lisons l'écriture de Psaume 102, 13. Tu te lèveras et tu auras pitié de Sion, car son heure a sonné. Je crois qu'aujourd'hui, par la puissance du Saint-Esprit, c'est le moment que vous soyez favorisés et que la miséricorde de Dieu brillera sur votre famille, sur votre vie. Et je vous dis que vous allez expérimenter la miséricorde de Dieu, car il a dit que je ferai grâce. Et comme il a dit, d'accord, à Saül, à David, je ne vais pas enlever de ta maison, eh bien, la miséricorde de Dieu comme je l'ai enlevée à Saül. Alors, malgré tous les problèmes, malgré tous les soucis, malgré tous les péchés de David et de Salomon, eh bien, Dieu n'a pas enlevé sa miséricorde. Et je déclare au nom de Jésus-Christ, devenez participants de la miséricorde. Vos enfants jouiront de la miséricorde dans le nom de Jésus-Christ. Votre épouse jouira de la miséricorde de Dieu et toute personne qui est connectée à vous jouira de la miséricorde de Dieu. La miséricorde de Dieu descend sur votre famille, sur votre foyer, dans votre maison et sur tout ce que vous faites dans le nom de Jésus-Christ. Amen. We are still considering this month on what the Lord has told us. Don't forget, we are still in the month of June. Nous sommes toujours dans le mois de juin qui dit que pas de paix pour les méchants. Vous savez que la méchanceté, en fait, est hors de l'entendement. La Bible dit que nous savons que nous sommes de Dieu. Mais nous savons que le monde repose dans la méchanceté. Nous savons que nous sommes du monde, mais le monde entier repose sur la méchanceté. Nous allons prier aujourd'hui. Alors, si vous nous suivez à la télévision maintenant, appelez vos amis et dites-leur que Merveille sans nombre a commencé, car s'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Et si vous nous suivez actuellement, d'accord, en ligne, eh bien, appelez vos amis maintenant, informez-les que Merveille sans nombre a commencé. Aimez, d'accord, et partagez au maximum autour de vous. La Bible dit dans Éphésiens 3, verset 20, Dieu est capable de réaliser infiniment au-delà de ce que nous demandons ou même pensons.
et selon sa puissance qui agit en nous. Il y a des choses que vous espérez de Dieu. Mais la Bible dit que Dieu a la capacité de faire au-delà de ce que vous espérez. Il y a des choses que vous désirez que Dieu fasse pour vous. Je prophétise sur votre vie, vos enfants, votre épouse, votre mari ou votre mari qui travaille dur dans un pays lointain. Je déclare que quelles que soient vos attentes, que mon Dieu fera au-delà de vos attentes au nom de Jésus-Christ. Mon Dieu fera au-delà de vos attentes concernant vos enfants. Mon Dieu fera au-delà de vos attentes concernant votre époux dans le nom de Jésus-Christ. La croissance financière que vous espérez, Dieu en fera, d'accord, au-delà au nom de Jésus-Christ. Regardez Joseph par exemple. Joseph, tout ce qu'il avait en tête, c'était que Dieu puisse en fait le libérer. Mais voici que Dieu a fait plus dans sa vie. Et donc pour lui, c'est que qu'il soit simplement libéré de l'Égypte et qu'il demeure en Égypte ou qu'il reparte dans son pays pour aller retrouver son père. Et c'est pour cela que la Bible dit que Dieu peut faire au-delà, d'accord, de tout ce que nous pensons ou même imaginons. La Bible nous fait comprendre que Joseph a même dit dans le livre de Genèse qu'il est devenu père de Pharaon parce que Pharaon, il est devenu conseiller de Pharaon parce que c'est Dieu qui a fait pour Joseph au-delà de son entendement, au-delà de ses attentes. Mais là, je déclare que Dieu ira au-delà de vos attentes au nom de Jésus-Christ. Regardez par exemple la femme Anne. Anne demandait seulement un seul enfant. Il demandait seulement un fils. Et Dieu a dit, d'accord, je vais te surprendre. En fait, Anne demandait, d'accord, le fils Samuel afin qu'elle puisse prouver, quelque chose à finir. Et donc, tant que vous demandez un miracle à Dieu afin de prouver quelque chose aux gens autour de vous, Dieu ne répondra pas. Alors, quand elle s'est rendue compte que les fils du prêtre, d'accord, souillaient la maison, souillaient le temple de l'Éternel, eh bien, elle s'est retournée vers l'Éternel et elle a transformé son besoin au besoin de Dieu. Alors, elle a demandé à Dieu de lui donner un fils afin qu'elle puisse redédier ce fils à la maison de Dieu. Alors, la raison pour laquelle parfois nos attentes tardent à se réaliser, c'est parce que tout ce que nous demandons, c'est pour notre propre gloire. Mais attendez un peu, retournez, transformez vos besoins aux besoins de Dieu et vous verrez ce que Dieu fera pour vous. Et la Bible nous fait comprendre dans 1 Samuel 2:21 que Dieu a béni Anne, d'autres enfants, deux filles et un autre fils. Donc Dieu en a fait au-delà de ses attentes. Alors quand nous parlons par exemple de Esther en fait, tout ce que Esther espérait, c'était que le roi annule, d'accord, le décret de mort, le décret de destruction qui avait été signé par Aman, l'ennemi des Juifs. Et Esther ne savait pas que Dieu avait l'intention d'utiliser son oncle pour remplacer Aman et honorer son oncle. Je sais qu'il y a des choses que vous avez écrites, que vous désirez que Dieu fasse pour vous en cette année de 2023. Je prie pour vous que Dieu ira au-delà de vos attentes dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je sais que vous avez prié, vous avez pleuré, vous avez jeûné, vous avez semé, vous avez fait tout ce qu'il fallait. Donc, Dieu me dit de vous dire qu'il fera au-delà de vos attentes. Il fera au-delà de vos expectations. Dans le nom de Jésus-Christ. Dieu vous surprendra. Nous allons prier et dire, Seigneur, lève-toi, va au-delà de mes attentes. Écrivez cette phrase maintenant dans la section de commentaires. Écrivez cette phrase sur vos statuts WhatsApp. Écrivez cette phrase sur vos différentes pages d'accueil, vos pages sociales. Seigneur, lève-toi, fais-moi au-delà de mes attentes. Seigneur, lève-toi, fais-moi au-delà de mes attentes. Lève-toi, Seigneur, et fais-moi au-delà de mes attentes. Seigneur, lève-toi et fais-moi au-delà de mes attentes. Lève-toi, Seigneur, et fais-moi au-delà de mes attentes. Seigneur, lève-toi et fais-moi au-delà de mes attentes. Fais-moi au-delà de mes attentes. Fais-moi au-delà de mes attentes. Fais-moi au-delà de mes attentes.
Informez maintenant vos bien-aimés. Appelez-les maintenant. Dites-leur que Merveille sans nombre a commencé. Likez maintenant. Aimez. Aimez maintenant ce contenu et partagez autour de vous au maximum. Toutes vos plateformes sociales, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit YouTube, que ce soit TikTok, toutes vos plateformes sociales, TikTok, WhatsApp, Facebook, Twitter, etc. Eh bien, écrivez maintenant cette phrase. Seigneur, lève-toi et va au-delà de mes attentes. Fais-moi 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 au-delà de mes attentes, Seigneur. Seigneur, lève-toi et fais-moi au-delà de mes attentes. Seigneur, lève-toi et fais-moi au-delà de mes attentes. Écrivez cette phrase maintenant dans la section de commentaires. Écrivez-la également sur votre statut et mettez en bas, hashtaguez en bas, merveille sans nombre. Maintenant, vous allez répéter après moi. Oh Seigneur, lève-toi, fais-moi au-delà de mes attentes. 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 Ouvrez vos bouches. Don't stop the recording now. Seigneur, lève-toi et fais-moi au-delà de mes attentes. Ouvrez vos bouches et priez. Fais-moi au-delà de mes attentes, Seigneur. Fais-moi au-delà de mes attentes. Fais-moi au-delà de mes attentes, Saint-Esprit de Dieu.
Si ta pore si fele kashi damazo peri andidi. Zete sulia vale melina no shagadalia. Evedelu soso peri aguzile velina mosha. Ize kuza velia kujele kozi vale anda. Ize gede de luka paradea. Ele gede gede pirina nozia. Evele no sha de delibi ando zadi. Zegezuzu valena mosh. Jegederia fusa beria kadere nozia. Ilazo zo veleke tu shada. Mare te teli rinando ziande. Ile demende kodo siya peria dusha. Ada da da leke susu peria. Zegede no sha devele no no ma ziande. Iya moze ke perinanda. Veleke tu shade. Arisusia velenuza. Belende de luzi bria. Shege de de lucia ke ge de rinanoza. Ade de zutiaza. Male no nosh, jede de Rusia parante, ive de zuzu velia, e zuzu perida no shande dea, ige dudu zia ke veli kandurianza, elege dudu, shadaye le kuza veri, e zegedeli briado shada, melonde do likete ke levriando zianda, iaka pele gadus. Zetete ligriadosh, shadayani mozuka valiande, ezuka payadele kemelinanus, arade deliriandosh, shadayane kosuko valia, ege tete lucro kapaliaze, eveliandorosh, zetete libriakusha, izagete keteriakusha, velika dodo peri, velene kusuria moza, evedegedusha gedeli namo, belia kuza gedegedeli bihagada, malia modosh, zegederina, moshiga zo paraye, evedegeluzeri, mazabedeli kiriado, magozele gede, paradodosh, zigidigidigidi, marize gedelina nosh, Ikaya moshada, eze de delurado, zegete gete perika zurianda, ivelina nosha, mezege dete, likavelina, izoka parade, veleke turiash, ijegede di kaza, lezuzuzu paradi, ivede de kurizu tabaya keveli kazuya, ayada moshada, elede de Rusia kadere, Mirozu paragizi velika dosh. Seigneur, lève-toi. Eliko shadabro sike velekete. Fais-moi au-delà de mes attentes. Fais-moi au-delà de mes espérances. Fais-moi au-delà de mes attentes, Seigneur. Ikado parakade velekete. Iyakadegeleke dugusha gadagada. Iyakadegeleke zuko suku parata. Eveleke tush. Jete teria. Veleke susu kavalade. Imeleke turia vaza. Paliako pareyakosh, ezegedeli nanoa, merusekete, igadata paradi, ivelene no sutali, melika digi veleketuna, iyekedege veleketuna, emeleketuni veleketuna, mashigadede veleketuna, iyekedegedege lukazavada, paletete pelinana, evelenu no shabeledi, arisusu paradea, peleketemia kaduza, iveleketuni valayea, malina mo shadada, I palateto parade, eveleke turia dodos, zitete linamina nos, ashidaya mandelia kata, ayagade beleana, evelina nosa, igede velende, ikade geliza, veleke tutusha kata, iyegede meleke toa, ibeneke tusi palatea, ibeneke tulia galeketea, retutusa tevelia, amalia kusha diba, meleke tuna veledete, iyakatutu sipelia, milia kusha, evene Ketusha, Ijakataka, pako sekevelea, edelebro seperekati, valatende veleketushada,
Iyele getusu paliya vende debele tuzatia. Ayada broshika vende gele tuzape. Malia zozo pelea. Ebele tu nono seketia. Ibala tene moshi balayate. Abatata leke nunu mane. Bareko sitayane. Avali ne moshi. Ebele getet. Ikale de doz. Belikatama. Peria zozo libriana. Ebele nono shakade. Iyekede nuna mosia. Eke zuzu kaferi. Apaleya komandayada. Elede de bele yenoda. Irede de bele yenoda. Irana mosha rabadea. Erimo sapere kadirida. Aderi kosha rabaya. Evere kurita bayade. Melede de meliko bayada. Eveli kodika valade. Evele ne melina valade. Ila no 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 zapaleke tia. Iya padele ketuna mosh. Malezo so balia. Evele no no shalene de. Beria no no zizi valia. Imalu paria velede. Iya gateria koza. Leke suria mande. Iveli na kubarada. Ene gura bashide. Ende geluka de moshide. Marake de velika shine. Iya gedendi galotosh. Iveli katine velinana. Emerita vele gelinana. Imala dodo dodora di. Vesiata dile vedua. Ivelina no no no. Ali peli kabali. Iboriko pasha. Agata perika. Izoko toto kina. Mekuna baka dede. Ibarake veledi. Ariko shate paya. Egizia patade. Evele ketulia. Amandina mosh. Evele ketulia. 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 Ibarato siata. Lesuta baya devele ketunana. Ilezu para de la velia. Malezu roshiga velia. Eguzizi velika bayade. Amalia zori feze belina. Malete delia koja dada. Iye de 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 de. Kinamoza gadada. 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 Look at them,
Jesus' name. Say, Lord, 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 by your power, by your power, by your glory, by your glory, by your strength, by your strength, by your grace, by your grace, arise, 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 exceed my expectation, exceed my expectation, exceed my expectation, exceed my expectation, in the name of Jesus. Amen. At the four corners of the earth, you are the sunshine, holy and worthy, beautiful you are. I bless and lift your name. Oh, you blessed Savior, you are worthy of my faith. There is none like. Vous allez répéter après moi, Seigneur, lève-toi dans ta gloire, lève-toi dans ta puissance, lève-toi. Dans le nom de Jésus-Christ, et fais au-delà de mes attentes. Fais au-delà de mes attentes. Fais au-delà de mes attentes. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Excellent dans toutes tes voies, Seigneur. Puissant tu es, tu es fidèle, tu es saint et tu es digne, tu es beau Seigneur. Jésus tu es le sauveur, tu es celui qui guérit, excellent dans toutes tes voies. Tu es puissant, tu es fidèle, tu es saint et digne, tu es beau Seigneur. Jésus est ton nom, tu es mon sauveur. Tu es excellent dans toutes tes voies. Tu es puissant et fidèle. Tu es saint et tu es digne. Nous allons toujours faire cette prière. Alors aimez maintenant et partagez le lien. Et maintenant, il a dit que c'est à lui qui fait au-delà. Infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou même demander. Alors, qu'est-ce que nous pensons? Qu'est-ce que nous demandons? Eh bien, c'est directement lié à la puissance de Dieu qui travaille en nous. Alors, ce que Dieu fera pour vous est déterminé par sa puissance qui agit en nous, par sa puissance qui agit en vous. Et donc, c'est la puissance de Dieu qui se trouve à l'intérieur de vous qui va déterminer les manifestations externes. Et donc, même s'il est vrai que Dieu va faire au-delà, d'accord, de nos attentes, nous devons crier, nous devons prier et demander que sa puissance agisse en nous. Il est dit dans Philippiens 2, 13, « Car c'est lui qui produit en nous à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet. » Plein d'amour. Et il a dit dans Jacques 1, 2, 3, eh bien, considérez-vous comme heureux, même si vous tombez dans des épreuves, et que la patience soit parfaite en vous. Alors, notre prière est ceci, Seigneur, que ta puissance agisse en moi. Que les choses qui ne sont pas de toi sortent de moi. C'est pour cela que vous priez que vous n'avez pas de résultats. Jésus-Christ a dit dans Jean 14, 30 que le roi de ce monde ne trouve rien en moi.
Le prince de ce monde ne voit rien en moi. Le diable vient à l'occasion, mais il n'a rien en moi. Il ne trouve rien en moi. Seigneur, agis en moi. Fais quelque chose dans mes pensées. Fais quelque chose dans mon corps. Fais quelque chose dans mon cœur afin que tes prières puissent marcher pour moi. Alors, nous allons prier ce matin. Alors, il ne nous a pas seulement promis les bonnes choses. Il veut également que nous développions une intimité avec lui. Alors, il n'est pas suffisant que vous ayez des miracles et des prodiges et que vous soyez complètement déconnecté ou détaché de lui. Dieu veut que vous soyez capable de prier, de l'invoquer pour qu'il agisse en vous, afin que vous ayez une intimité avec lui. Seigneur, lève-toi, que ta puissance agisse en moi. Seigneur, je veux m'aligner à ta volonté, je veux m'aligner à tes plans, que ta puissance agisse à l'intérieur de moi. Alors répétez après moi, mon Père, répétez encore mon Père, répétez mon Père, dans le nom de Jésus, pendant que je prie, que ta puissance agisse en moi, 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 que ta puissance agisse en moi. Ouvrez vos bouches maintenant et priez. Seigneur, que ta puissance agisse en moi, jusqu'au très fond de mon être. Que tout ce qui n'est pas de toi soit éliminé. Que tout ce qui n'est pas de toi soit enlevé, soit arraché, déraciné. Seigneur, que ta puissance agisse en moi, afin que je m'aligne à ta volonté, afin que je m'aligne à tes plans, afin que je m'aligne à tes pensées. Seigneur, fais que ta puissance marche en moi, que ta puissance agisse en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ta puissance agisse en moi, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu. Maro prasiake, ishe ke te liriando, ze ke te liria,
Everinamosh, Zaperiakusa, Ivedede, Maropate, Ivelirianda, Ekovia Boshata, Ekezekete Libri Andoshia, Ezuziapri Azolegede, Osha Prakesi Keteliria, Eleria Mose Gedete, Kiruvia Mosha. Au nom de Jésus, nous avons prié. Répétez, Seigneur, je me soumets à toi. Je me soumets à toi. Travaille sur moi. Que ta puissance agisse en moi. Que ta puissance agisse en moi. Toute chose dans ma vie qui n'est pas de Jésus, que la puissance de Dieu enlève ça. La puissance de Dieu, enlève-les. Lève-toi dans ma vie. Que l'ennemi soit éparpillé. Agis en moi. De la volonté et dans le faire, selon tes désirs, au nom de Jésus. Connectez votre foi à la mienne, par la puissance du Saint-Esprit. La main de Dieu vous touche maintenant, et Dieu va au-delà de vos attentes. Je ne sais pas ce que vous espérez. Je ne connais pas votre désir. Je ne connais pas votre prière tous les jours. Je déclare aujourd'hui, Dieu va au-delà. Dieu va au-delà au nom de Jésus. Dieu va au-delà de vos attentes financières, vos attentes maritales, vos attentes concernant la conception, vos attentes concernant vos enfants dans le nom de Jésus-Christ. Va, Dieu va au-delà. Que la main de Dieu commence à marcher en vous, à travailler en vous. J'entends un nom de Kate et TV. Dieu me dit de vous dire que votre désert prend fin. Et tu veux, Kate, votre désert prend fin aujourd'hui. Votre désert prend fin aujourd'hui. Votre saison de désert prend fin aujourd'hui. Alors, si vous me suivez, d'accord, et que toute parole prophétique que je dis, si cette parole vous concerne, manifestez-vous toujours par le témoignage. Et donc, la prophétie pour une est une... You are a Nigerian. You are a politician, like a commissioner. In your state, and something just happened that affected your political career. The Lord is intervening for you. I'm seeing some people who won elections, but it was manipulated and taken from them, and now you are in court. The Lord says, I should tell you. And even in the court, it's as though things are working against you. The Lord says, I should tell you that He's raising up a judge to speak for you. Somebody's going to rise up from amongst them, and your mandate will be given to you. In the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Shanice Ajakpa. I saw you being pushed into a well in the realms of the spirit. I saw you in that well. Your name is Shanice Ajakpa. I saw you in that well. And anytime you want to come up, they pull you back. Anytime you want to climb out of the well, they pull you back. The Lord said to tell you, that spirit of failure at the edge of breakthrough, the spirit of begin afresh, begin again, is broken. It brings you out of that well, and you begin to walk on royalty. Walk with royalty in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Kola basanta ramante. Blessed be your name. God is healing people. Growth. Dieu est en train de guérir les gens de tumeurs. Il y a quelqu'un qui souffre de tumeurs, mais Dieu l'enlève maintenant. Il y a quelqu'un qui est un artiste, et depuis quelques mois, vous avez mal à la gorge, sérieusement. Soyez libérés au nom de Jésus. Amen. J'entends Trisha. Trisha Adom. Dieu me dit de vous dire que ce qui n'a jamais été fait dans votre famille, vous serez celle qui le fera. Vous allez, par votre vie, les erreurs de votre famille seront corrigées dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je vois quelqu'un aujourd'hui, c'est votre 42e année. Alors, vous attendez seulement la fin de cette prière pour pouvoir aller là où vous devez aller. Mais je vous dis, n'allez pas là où vous devez aller. Aujourd'hui, c'est votre 42e année. Alors, le conseil, le plan de l'ennemi, le plan de l'enfer qui était de vous arracher à la vie, eh bien, leur plan aujourd'hui est brisé. Maintenant, vous ne sortez pas. Retournez chez vous
et reposez-vous. Alléluia. Dieu est en train également d'accorder la faveur à certaines personnes qui ont des cas à la justice. Amen. Alléluia. Alors, si vous êtes malade, posez votre main gauche là où vous avez mal. Je commande que toutes les maladies sortent de votre corps. Je commande que les infirmités et que les afflictions sortent de votre système et que vous soyez guéris complètement dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Et n'oubliez surtout pas, vous ne pouvez pas vous présenter à la maison de l'Éternel les mains vides. Donc, envoyez vos offrandes maintenant et soyez bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Vous voyez les comptes bancaires affichés à l'écran pour pouvoir envoyer vos offrandes là-dessus. Tu es excellent en toutes tes voies, Seigneur. Tu es puissant et fidèle. Tu es saint. Et tu es digne. Alors recevez maintenant les témoignages et connectez-vous pour votre propre témoignage. Amen. Bonjour papa, mon ordinateur portable a développé un défaut. J'étais sur le point de l'emmener chez un réparateur, mais je me suis souvenu de comment les anges de merveille sans nombre réparent les appareils des gens. Alors, je l'ai induit leur donction et gloire à Dieu, l'ordinateur portable a recommencé à fonctionner. Merci Jésus, Delphine du Cameroun. Bonjour papa, ma femme se plaignait toujours à propos de maux de tête tout le temps. Elle s'est ointe de l'huile d'onction et le mal a disparu. J'avais également de graves douleurs au cœur. Je ne pouvais pas respirer proprement. Et pendant la prière matinale, pendant que papa priait pour le malade, je me suis connecté, gloire à Dieu. J'ai eu ma guérison. J'ai plus de douleurs. Alex Olushegun de l'état de Kogi. Bonjour papa, je m'appelle Yvonne. Je remercie le Dieu de merveille sans nombre d'avoir guéri le pouce droit enflé de mon fils après avoir appliqué l'huile d'onction. Bonjour papa, je me suis réveillée le matin avec des douleurs sur mon bras droit. J'ai tout de suite appliqué l'huile d'onction. J'ai aussi suivi la prière matinale. Pendant que papa priait pour les malades, j'ai également mis ma main gauche sur la partie où j'avais mal. J'ai même oublié quelque temps après que j'avais mal. Mais quand je me suis rappelé, je n'avais plus de douleur. Chica depuis la Chypre. Bonjour papa, je m'appelle Opeyemi et j'ai envoyé une requête de prière à cette plateforme pour que Dieu me donne un travail. Et Dieu a exaucé ma prière. Le 5 juin, j'ai eu un meilleur emploi qui est meilleur que mon ancien. Et j'ai reçu également un double salaire. Merci Jésus. Bonjour papa, j'ai appliqué l'huile d'onction sur ma torche qui avait cessé de fonctionner pendant plus de 4 mois. À ma surprise, la torche a repris à fonctionner. Merci Jésus. Bonjour papa, je ressentais des douleurs autour de ma lésion thoracique. J'ai ensuite appliqué l'huile d'onction et gloire à Dieu, je n'ai plus de douleurs. Merci Jésus. Fédiro de l'état du Delta. Bonjour papa, je remercie le Dieu de mes bénis sans nombre de m'avoir délivré de la masturbation. J'ai lutté contre cela pendant longtemps. Alors depuis que je me suis connecté à mes bénis sans nombre, je ne le fais plus. Merci Jésus. Bonjour papa, j'ai envoyé une requête de prière à cette plateforme demandant à Dieu d'intervenir pour me sécuriser un terrain pour notre église. Gloire à Dieu, nous avons eu un très grand terrain dans un bon emplacement. Merci Jésus. Bonjour papa, j'ai envoyé ma demande de requête de prière sur cette plateforme pour mon admission au Royaume-Uni. Gloire à Dieu, après 2 semaines, j'ai obtenu l'admission. J'ai également prié pour avoir de l'argent miracle pour payer les frais de mon diplôme. Gloire à Dieu, j'ai eu d'accord de l'argent, j'ai payé mes diplômes et j'ai également eu une augmentation de salaire. Merci Jésus. Pasteur, bienvenue depuis l'Afrique du Sud. Alléluia. Seigneur, reçois toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui a des problèmes d'oreille. Je déclare que l'oreille s'ouvre maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
Maintenant, je déclare, recevez l'argent miracle, recevez la faveur de Dieu, recevez un meilleur emploi, une augmentation de salaire, recevez des alertes financières. Je déclare que tous vos documents de résidence, votre permis de travail, permis de résidence, je déclare que ces documents vous soient libérés maintenant. Recevez votre permis de conduire, permis de travail et votre passeport, votre visa. Je déclare également que vos enfants, là où ils se trouvent et que leurs documents ont été saisis, que les documents soient libérés maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et je prie sur ces requêtes de prière, je déclare exaucement et témoignage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Mesdames et messieurs, appelez les numéros affichés à l'écran pour partager vos douleurs, vos peines, vos problèmes et une équipe s'occupera de vous. N'hésitez aussi pas, n'hésitez pas, surtout pas d'accord, à envoyer vos offrandes et semences sur les comptes bancaires affichés à l'écran également et soyez bénis. Et je vous invite également à faire attention, d'accord, à la bande défilante qui porte les informations concernant les différentes nations dans lesquelles je fais les croisades afin que vous ne ratiez pas la croisade quand c'est le tour de votre pays. Et je vous dis, on se retrouve demain, même heure, même chaîne. Et n'oubliez pas, tant qu'un homme, tant qu'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour exaucer. Que Dieu vous bénisse. Convention promises to be outstanding. God specifically told me to take time to pray for every woman.